Tu verras. Pourquoi pas, à voir. Pourquoi pas. Y a-t-il d'autres missions ou pas? Là, je regarde. Bon, bah, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est moi ou pas? Mais j'ai l'impression que... Bah, ils me fournissent plus de ressources, les gars. D'habitude, j'avais l'impression qu'ils ramenaient des ressources de manière régulière. Alors, on va regarder son siège pliant. C'est dans quoi? Je regarde, hein. Siège pliant. Peut-être dans... Des poupées. Oh, des poupées. Tambour à eau. Ok. Ravitaillement de guerre. Ok. Arme à feu. Alors, beaux meubles, des caisses, des cannes à pêche, menuiserie. Siège pliant. Ferronnerie. Outils du mineur. Minerai de fer. Ok, il faudrait un minerai de fer. Donc on va acheter un minerai de fer. Forêt, herbe, chasse. Ok. C'était dans quoi? C'était dans accessoires. Non. Médecine, nourriture, vêtements, alcool, matériaux. Non. Merde, je sais plus. Divers, peut-être? Ok, ça c'est fait. Attends, consommable. Siège pliant.
Bah, son siège pliant, je vois pas dans quoi ça peut être. Je suis en train de chercher. Pourquoi j'ai autant de merdier sur moi? C'est pas là-dedans. Alors attendez. Gaz à eau. Siège pliant. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout dans quoi c'est, donc. Voilà. Ça me gratte la tête. Donc, je sais pas. Attends, y a un quelqu'un qui veut parler de l'autre côté. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui veut parler. Par là. À moins que... Connor, Oui. je suis content de te voir. Les plans que j'ai achetés ne se limitaient pas à un siège pliant. Ah. Ils permettaient aussi de fabriquer quelque chose d'étonnant. Une machine volante conçue par Léonard de Vinci en personne. Oui. Et je l'ai construite. Ah. Ah, tu veux être le premier à l'essayer? Tu as envie de t'élever dans les airs comme un aigle? Ta machine Pourquoi pas? marche? De Vinci a été l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, l'un des hommes les plus brillants du monde. Tu peux être certain qu'elle marche? Tu as envie d'essayer? Oui, une telle machine me serait sûrement utile. Ah. Bah d'accord. Merci, hein. Ouais. Je suis pas convaincu. Je pense que ça, c'était une référence aux deux. Quand... Voilà, c'était une référence aux deux, je pense. Allez. On va aller à New York. Ok, j'en ai deux dispo. Je dois aller où exactement? Par là, ok. Alors, au passage, si on peut buter des mecs. Ok. Ah.
Mais qu'est-ce qui branle? C'était pas ça que je leur avais demandé, mais c'est pas grave. Que vous soyez marin amateur ou pêcheur acharné, porteur à l'embarcation qu'il vous faut. On va attendre que le deuxième arrive. Mais, alors je veux pas dire, elle est peut-être teubée, hein. Je sais pas. Elle est bizarre quand même, la madame. Parce que c'est quoi l'habilité de la madame? Elle fait quoi, elle, comme habilité? Elle a une hache et un pistolet? Ok. En soi, ça me dérange pas, hein. Ah bah, je vais l'entraîner, hein, là, madame. Ok, ok. Tant qu'il bosse, hein. Ok, celle-là, elle est pas finie. C'était celle-là. Bah, vous allez prendre la fille avec vous. Vous y allez à 3. Comme ça, elle gagnera de l'XP. Alors, je sais pas si le fait que... d'éloigner les ennemis... Enfin, d'éloigner les gars, soit un truc qui m'aurait été utile à un moment ou pas. Je suis en train de réfléchir. Ok, on va avancer un peu dans l'histoire quand même. Si nous voulons en finir, il faut découvrir ce que préparent les loyalistes. J'ai essayé. Personne ne sait plus rien dans leur armée. La seule consigne est d'attendre les ordres. Continue à creuser. Reviens me voir quand tu en sauras assez. La victoire est tellement proche. Quelques attaques de plus et s'en sera fini de cette guerre civile et de l'emprise de la couronne. Ah. Que comptes-tu faire? Rien pour le moment. Nous n'avons pas assez d'informations. Je
Tu croyais que les Templiers avaient des yeux et des oreilles partout. Oh, en effet. Jusqu'à ce que tu les arraches. Ton contact a parlé d'ordre. Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire. Traquer les chefs loyalistes. Alors, je sais pas si... Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que Connor va devenir un Templier? Est-ce que son père va redevenir un assassin? Enfin, si ça a déjà été un assassin. Je sais pas. De toute façon, il faut que je bute Lee. Le connard qui a buté ma mère. Donc... Il fait des trucs bizarres quand même, hein. Oui, j'ai vu ça. Et toi, tu l'as vu? Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je le suis, mais pourquoi j'entends un enfant? Ah. Connor, baisse-toi. Avez-vous réfléchi à cette proposition? Je reste perplexe. Les renforcés mettraient New York sans défense. Il est déjà difficile d'assurer l'ordre avec nos effectifs actuels, mais réduits de moitié. Si nous ne les rejoignons pas, ils risquent la défaite. Où cela mènera-t-il? Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en rond. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu? Qu'on aille les voir pour exiger des réponses? Possible. Eh bien... Oui. Je peux envoyer mes copains? Embuscade! Connor, prête-moi main forte. Je peux envoyer mes copains ou pas? Épargne les hauts gradés, Connor. Nous devons les interroger. Book. Ah mince, j'avais même pas vu. Bon bah c'est pas grave. Une fois dans mes quartiers de Fort George, nous découvrirons tout ce qu'ils ont à cacher. Eh bien, tu ferais bien de le rattraper, fils. Vas-y, je surveillerai les prisonniers. Non, toi vas-y. Pourquoi moi? Parce que je l'ordonne. Allez, va. Et pourquoi? Ah, il fallait pas le buter? Moi, je pensais qu'il fallait le buter, moi, je lui tirais dessus, moi. Ah, depuis les airs. Ah, mais comment il veut que je monte? Merde! Non, j'ai perdu ma hache! Ouais, ben voilà. Comment je suis censé sauter par au-dessus? Enfin, le choper par les airs? Allez, au secours!
Je veux bien tenter un truc, mais j'y crois pas trop, quoi. J'y crois pas trop. Réfléchis. Eh, beaucoup, petit connard. Mais non, mais... Mais non, mais oh là là! Connor qui s'agrippe partout! Ouais, je l'ai attrapé! Je l'ai attrapé! Ils sont chiants! Bon, je l'ai attrapé comme ça, mais Va au diable. J'ai dit avance. Je pense que c'était peut-être possible, attends, mais... Attends, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tout. Mais ne m'emmène pas là-dedans. On veut juste te poser des questions. Si je franchis cette porte, je suis un homme mort. Te voilà enfin, Connor. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Aha. Allez, par ici. Trop tard. T'aurais dû parler avant, mec. T'aurais dû parler, mec. Allez, avance. On va pas être méchant. Allez. T'as envie de te faire suriner, c'est ça, en fait. Allez, avance! Ou je te tire dessus! Oula! J'avais une quête secondaire ou pas? Non. Rien de... Voilà. Rien de particulier. Que préparent les Britanniques? Ils vont marcher sur Philadelphie. Cette ville est perdue. La clé, c'est New York. Ils vont doubler les effectifs, repousser les rebelles. Quand doivent-ils partir? Dans 2 jours. 18 juin. Il faut que je prévienne Washington. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. Non. Bien sûr. Chink! Les deux autres ont dit la même chose, ce doit être vrai. Tu l'as tué. Tu les as tous tués, pourquoi? Ils auraient averti les loyalistes. Tu aurais pu les garder jusqu'à la fin des combats. Pourquoi? Perdre du temps et de l'argent à les faire garder? Quel en aurait été l'intérêt? Il nous avait dit tout ce qu'il savait. Je te retrouverai à Valley Forge. Bah,
d'un côté, il a raison. C'est-à-dire, on va pas gâcher des moyens pour garder des mecs qui servent à rien et qui pourraient arriver à s'échapper et dire qu'on arrive. Mais le fait de les avoir butés comme ça, ouais. Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis pas convaincu, mais... Après, est-ce que la fin justifie les moyens? Je ne sais pas. Alors, je dois aller où, au fait? Parce que là, c'est bien gentil, tout ça, mais... je dois aller... À la frontière, ok. Eh ben... On va à la frontière. Ah, mais oui! J'étais en train de me dire pourquoi la fille... J'ai pas la fille. Bah, parce que la fille est en... Est en mission. C'est pour ça. Je comprends pas, la fille est pas avec nous. Ben oui, elle est en mission. Oh là là. Alors j'ai amélioré mon sac de balles, mais... C'est pas forcément pour ça que... je dois aller où? Ok. Je vois à peu près où je dois aller. Bah, c'est exactement ici que je chassais mes lapins et mes biches au début. Oh. Ça vous prend souvent de tirer sur mon là. Non mais... Ils ont tiré sur poney.